Je pense que je vais aller faire du bénévolat au comptoir du linge. Il manque toujours quelqu'un. Es-tu déjà allée? Ben oui. C'est là que j'ai été porter le linge à maman quand elle est morte. C'est triste mourir comme ça, dans une petite chambre, avec presque rien. Mais je pense pas. Je pense qu'elle était bien heureuse, là. Elle avait beaucoup d'amis, puis je pense que... Elle était pas malheureuse de tout ça. Alors, d'abord, elle a tout donné avant de s'en aller là. Il est resté juste son coffre à bijoux. C'est tout ce que j'ai gardé. Ouais, il est pas mal vieux. J'ai ouvert les tiroirs un peu, mais c'est des vieux bijoux. T'es vraiment pas curieuse? Tu peux regarder si tu veux, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Oh, ben moi, je suis curieuse, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Tu me diras pas deux fois. Ouais, c'est pas bien de valeur, m'a dit comme toi. Hey, c'est coincé. Je me demande qu'est-ce qu'il y a. Il y a un papier dans le fond. Ah ben, il y a une lettre dedans. Ah oui, ben donne-moi la dent. Qu'est-ce qui est écrit? Mais c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas croire. Puis pourtant, c'est bien son écriture. Je peux-tu l'aller? Sainte-Marie-de-Beauce. On reste à Sainte-Marie-de-Beauce. Ma mère a déménagé parce qu'elle a besoin d'aller se faire soigner. Il ne me reste pas grand temps à vivre. Si Dieu le veut, tu trouveras cette lettre. J'ai jamais été capable de te le dire. Je ne suis pas ta mère biologique. Mon mari, ton père adoptif, ne pouvait pas avoir d'enfant. Ta vraie maman a été plus que généreuse. C'est une sainte femme. Ne m'en veux pas, je t'ai toujours aimée. Ta maman. Ça se peut-tu? On m'a toujours dit que je ressemblais pas à ma mère. Tu ressembles ni à tes frères ni à ta sœur? C'est mes demi-frères et demi-sœurs. Mon père il est mort quand j'avais 6 ans. Ma mère a se remarié. Si c'est vrai, je me demande si je ressemble à ma vraie mère. Oublie ça, tu vas avoir 80 ans. Puis si l'histoire est vraie, ta vraie mère biologique, elle aurait plus que 100 ans. Elle m'a peut-être eu à 15 ans. Mais il faut que je le sache. Il faut que je la trouve. Est-ce que je peux vous aider? Alors, je voudrais faire l'arbre généalogique pour aider mon ami qui cherche pour sa famille. Aujourd'hui, on trouve pas mal tout ce qu'on veut sur Internet. Je vais avoir bientôt 80 ans. Alors, pour moi, l'Internet, je connais pas ça trop. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais avez-vous une date précise? 8 mars 1939. Et? Puis, quel est son nom? En vérité, je sais pas. Elle était adoptée à sa naissance. Alors, je ne sais pas vraiment le vrai nom de sa vraie mère. Je ne sais pas. Mais j'ai lu récemment, dans un article dans les années 30, une femme avait donné en adoption à sa sœur son dernier enfant parce que elle avait de la misère à en avoir. Pouvez-vous me dire dans quel livre que vous avez vu ça? Je pourrais peut-être le lire moi aussi. Ça pourrait peut-être m'aider. Adoption dans les années 30. La sauvegarde de l'enfance de Québec. Ça, c'est un document de l'Université Laval. Il y a aussi... Je pense que c'est là que j'ai eu l'article. Un accommodement historique. Hey, dis donc, c'est Lorraine qui est là? Ah, ben oui, c'est Lorraine. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, je pense que je sais qu'est-ce qu'elle cherche. Elle cherche quoi? Ben, ça nous regarde pas. Ben, pourquoi tu t'en vas? Ça m'intrigue trop. Je m'en vais la voir. Bonjour, Lorraine. Il me semble que c'est la première fois que je te vois à la bibliothèque.
Ben, j'y ai rien dit. Dire quoi? Oh, c'est une drôle d'histoire qui m'arrive, là. Mais si je te le dis, il ne faut pas que tu en parles. Bien sûr. Je lis un livre qui explique que dans le temps, quand une femme mariée ne pouvait pas avoir d'enfant, elle demandait à sa sœur ou à une cousine, qui en avait plusieurs, de lui donner le prochain nouveau-né. Si c'est une fille, parce que les garçons restaient à la maison pour aider le père. T'es tout grand de ça, toi? Ben oui, j'ai une cousine qui a été élevée par la sœur de sa vraie mère. Dans le temps, ça se faisait, mais les gens dans la famille le savaient. Mais il y en a qui le cachaient. Mais ça se fait plus maintenant, ça. Comment t'as su que t'étais adoptée? Tu gardes ça pour toi. Ça regarde personne d'autre que moi. Tu connaîtrais pas quelqu'un dans ta famille, du côté de ton père ou ta mère adoptif, qui pourrait te renseigner? Ça me surprend pas pantoute. On est toutes grandes, la famille, sauf Lorraine. Ça veut rien dire, ça. On n'est pas du même père. Maman a eu Lorraine avec son premier mari. Oui, mais maman était grande aussi. Je comprends pas pourquoi tu cherches chez qui ta vraie mère. T'as toujours été notre grande sœur. Puis qu'est-ce qui te dit que la lettre est bien de maman? Ouais, j'avoue que c'est l'écriture de maman. Ben, passe-moi les dents, la lettre. Mais toi, André, tu dis rien? Je comprends, honnêtement. Hein, tu comprends quoi? Un jour, maman a reçu un appel d'une personne, là, puis je savais pas qu'est-ce que c'était, cette personne-là. Alors, je lui ai demandé, ben, c'est qui? Elle a dit, c'est un secret. C'est un secret? Ben, pourquoi un secret? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Fait que là, elle s'est fâchée. Ben, je dis, voyons, c'est pourquoi tu te fâches? Je me suis posé des questions, là. C'est qui l'appelait et pourquoi? Il y a quelque chose de douteux, là, mais son secret, c'était peut-être ça, là. Place, Lorraine, j'oublierai tout ça. Ta vraie mère, c'est maman. La famille, c'est nous autres. Je sais que le nom de ton père, c'est Lacroix. Mais t'as toujours porté le même nom que nous autres. Pourquoi tu vas revenir en arrière? Tu te fais du mal pour rien. T'as aucune chance de retrouver ta mère. On ne sait pas, là, elle peut avoir plus que 99 ans, là. Vous avez peut-être raison. Si maman a écrit une lettre, probablement que c'est plus qu'elle voulait que je découvre la vérité. Je m'en voudrais de rien faire. Même si elle est morte, je veux la retrouver. Je ne veux pas que tu dises à personne, je n'ai pas le droit de fouiller dans les dossiers, sinon je perds mon emploi. Sois sûre de moi, tu avais l'intention, c'est correct. Faut que je te dise quelque chose. C'est-tu une Lacroix? Je veux que tu me dises que t'es pas fâchée, même si j'ai parlé des affaires de Lorraine. Je t'en veux pas. Mais c'est-tu une Madame Lacroix? Ben, oui puis non. Comment ça, oui puis non? Elle a regardé dans les dossiers. Puis la madame qui a 103 ans, là, elle s'appelle Baudry Lacoste. Donc, c'est pas une Lacroix. Attends. Elle a eu un premier mari et lui s'appelait Lacroix. Ouais, j'ai hâte de dire ça à Lorraine. Dis pas à Lorraine que j'ai parlé de ça à tout le monde. Puis tu lui dis que j'ai fait ça pour elle. Lorraine t'en voudra pas, même si des fois on sait que tu es... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Laisse faire, c'est pas grave, pas tout en pas avec ça. Mais
C'est la chambre 112, elle va être contente de vous voir. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Est-ce que je peux fermer la porte? Oui, bien sûr. Vous êtes comme moi, une petite madame toute petite aussi. Je suis petite parce que je suis vieille. Quand j'étais jeune, je mesurais 6 pieds. Je ne crois pas. C'est quoi vos noms à vous deux? Moi, je m'appelle Lorraine. Moi, je m'appelle Simone. Puis moi, je m'appelle Denise. Êtes-vous les filles d'Isabelle qui visitaient les vieilles? Mais non, on n'est pas des filles d'Isabelle. Vous n'êtes pas si vieille que ça. Quel âge avez-vous? Je vais avoir 103 ans le 26 de mars. Ça paraît pas. On vous les donne pas. On me les donne pas, mais moi, je les prends. Mais votre mari, là, est-ce qu'il est un Lacroix? Mon premier mari était un Lacroix. J'ai eu un deuxième mari. Vous êtes venu quoi faire ici? C'est une longue histoire qu'on veut vous raconter. Ça tombe bien parce que j'aime ça, des histoires. Ma maman est morte il y a un an, puis elle est en train de faire le ménage dans ses affaires. Par regard, j'ai acheté une boîte à 8 jours. Sur la rue Chambly, à Montréal. Ah oui? Oui. Depuis ce temps-là, elle essaie de savoir qui est-ce que c'est sa vraie mère. Mon père est décédé. Ma mère s'est remariée. Elle a eu 3 autres enfants avec un autre homme. Sa mère biologique l'aurait donné en adoption. Seriez-vous au courant que dans la famille de votre mari, il y aurait eu un enfant qui aurait été adopté? Lorraine. Moi, je t'aurais appelé Marie-Rose. T'es ma fille.